caillou, la dispute. Texte, Jocelyne sans chagrin. Illustration, Pierre Brignot. Coloration, Marcel Deprato. Caillou est très occupé. Il construit un grand château avec une tour. C'est le plus beau de tous les châteaux, dit-il. Soudain, Caillou a une idée. Il monte vite à sa chambre. Caillou en rapporte son crocodile vert et son dragon jaune. Il les installe devant le château. Mousseline entre alors en courant. Mousseline s'approche du château. « Oh non !» crie Caillou. Trop tard, Mousseline fonce dans la tour et tout s'écroule. Le beau château de Caillou est complètement détruit. Mousseline se met à pleurer. Tu as tout démoli, je te déteste, crie Caillou. Maman arrive, prend Mousseline dans ses bras et s'assoit près de Caillou. Que se passe-t-il? Demande-t-elle. Caillou est fâché, il pleure aussi. Mousseline casse tous mes jouets. Maman regarde le château en ruine. Je suis vraiment désolée, Caillou. Je ne veux plus avoir de sœur. Elle me dérange tout le temps, se plaint Caillou. Mousseline est encore petite. Elle ne comprend pas tout, explique maman. Je n'ai plus de château, se lamente Caillou. Nous allons t'aider à en faire un autre, propose maman. Ah non, pas Mousseline, elle casse tout. Caillou pose les cubes les uns sur les autres. Il travaille dur. Rebâtir un château tout seul, c'est long. Pendant ce temps, maman joue avec Mousseline. « Maman, aide-moi à refaire mon château. »« Je ne peux pas, Caillou. Mousseline a besoin de moi. » Tout à coup, maman a une idée. « Caillou, si tu prêtais ton crocodile à Mousseline, je pourrais t'aider. » Caillou hésite. D'accord, dit-il finalement. Et il tend son crocodile à sa sœur. Maman et Caillou construisent un nouveau château. Avec l'aide de maman, le château de Caillou est encore plus beau. Fine.